tu es notre sauveur, tu es notre substitut et tu es celui qui a porté nos péchés. Tu es le libérateur, le rédempteur. Tout ce que tu as eu sur nous, sur la croix du calvaire, toute la liberté que tu as eu pour nous sur la croix du calvaire sera pour nous au nom de Jésus. Seigneur, je prie qu'en ce moment, tout ce qu'il nous faut encore recevoir de toi, accorde-le à chacun de nous. La puissance, l'autorité, l'onction, la puissance, la liberté, la rédemption, l'affranchissement, la guérison, donne à ton peuple au nom de Jésus. Nous prions que chacun quitte ce lieu avec la victoire du Seigneur au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Galates chapitre 3, les versets 13 et 14. En Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Pour que toi en particulier aujourd'hui, que tu reçoives toute la promesse de l'esprit par la foi au nom de Jésus. Comme nous venons à la fin de cette retraite de Pâques, nous parlons de participer aux merveilles de sa croix merveilleuse. Participer aux merveilles de sa croix merveilleuse. Vous avez vu là qu'il a porté toutes les malédictions pour nous. Il a tout porté. Et pour cela donc, nous sommes libérés et nous avons les bénédictions d'Abraham. En 1 Pierre au chapitre 2, verset 24. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Vous voyez cela encore. C'est à cause de ce qu'il a fait pour nous sur la croix du verre. Nous avons ce double miracle. Pour l'âme, l'esprit, il dit, nous pouvons vivre dans la justice. Nous étions morts au péché. Et pour notre corps, nous sommes maintenant guéris par ses maîtrissures. En Philippiens chapitre 2, verset 8. Philippiens chapitre 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il est mort pour nous sur la croix. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comme je l'ai dit, nous voulons prendre part, participer aux merveilles de sa croix merveilleuse. Participer aux merveilles de sa croix merveilleuse. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, se nourrir de ses paroles sur la croix. Vous savez que Jésus a dit certaines choses sur la croix immédiatement qu'il est arrivé sur la croix avant de mourir. Il y a cette déclaration de Christ sur la croix et le Seigneur veut que nous puissions réexaminer ces déclarations et que nous puissions nous nourrir de ces déclarations, que nous puissions demeurer, que nous puissions profiter de ces choses, que nous puissions tirer profit, se nourrir de ces paroles sur la croix. Deuxième point, combattre avec l'arme de sa croix. La croix de Jésus-Christ est une arme très puissante entre les mains du croyant.
Et quel que soit ce qui se lève contre nos vies, le monde, la chair et le diable, nous serons en mesure de combattre victorieusement et vaincre par l'arme de sa croix. Troisième point, nous verrons, suivre la voie de la croix. Suivre la voie de la croix. Parce que c'est la voie de la croix qui mène au ciel. La voie de la croix mène au ciel. Il est bon pour moi de savoir que comme je marche de l'avant, que la voie de la croix mène au ciel. Suivre la voie de la croix. Premier point. Se nourrir de ses paroles sur la croix. Si vous regardez en Matthieu, en Luc, Luc 23, vous allez voir la première déclaration qu'il a faite quand il était suspendu sur la croix, crucifié. Luc, au chapitre 23, lisons à partir du verset 34. En Luc 23, 34, voici les premiers propos, les premières déclarations de Jésus. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils le font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur la croix, Jésus-Christ a prié pour le pardon de ceux qui l'ont crucifié. Et lorsque nous disons des gens qui l'ont crucifié, les Juifs et les Romains, les Juifs et les païens, et nous sommes païens, et nous avons contribué à la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Nos péchés l'ont crucifié à la croix. Nos iniquités l'ont crucifié à la croix. Et à cause de ces iniquités, de ces transgressions, des péchés, du mal, qui ont crucifié Jésus à la croix, vous allez penser qu'il n'y aura pas de pardon parce que vous avez commis le plus grand des péchés. Mais il a prié, dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 30 et 31. Actes des Apôtres, chapitre 5, 30 et 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Non seulement qu'il a payé pour cela sur la croix, maintenant il a été ressuscité. Et il nous donne la pensée, le cœur de nous repentir. Il nous amène à nous sentir, à sentir la tristesse pour nos péchés. Non seulement la tristesse, mais pour que nous puissions nous détourner de nos péchés. Et il nous accorde le pardon. En Éphésiens au chapitre 1er. En Éphésiens chapitre 1, lisons à partir du verset 7. En Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. La deuxième chose qu'il a dite sur la croix, revenons en Luc, au chapitre 23 encore. Luc 23, nous allons lire à partir du verset 43, pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi il a dit ce qu'il a dit, verset 43. Nous allons lire d'abord le verset 42, ensuite le verset 43. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ici, nous voyons maintenant le brigand sur la croix, suppliant le Seigneur, priant le Seigneur, demandant au Seigneur, plaidant avec le Seigneur, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il savait qu'il avait une courte durée de temps parce qu'il allait mourir bientôt. Il ne voulait pas mourir et aller dans une éternité perdue. Et déjà même à cette dernière heure, à ce moment tardif, il plaidait, souviens-toi de moi. Maintenant, voyons la deuxième chose que Jésus a dite. Voyons cela dans le verset 43. Jésus lui répondait, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le Seigneur l'a pardonné. C'était un grand pécheur. Parce que son péché l'a conduit à la croix. Mais quel que soit le type de péché que tu as été, même si le monde t'a condamné
et que le monde t'a jugé, et ta famille t'a jugé, et tout le monde t'a abandonné, parce que tu es un grand pécheur, un grand criminel, le Seigneur va toujours te conduire au paradis. Si tu le lui demandes, il dit oui, je sais que je suis un pécheur, je sais que j'ai fait ce que je ne devrais pas faire. Alors cela m'a conduit à ce point-là. Et tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Il va se rappeler de toi au nom de Jésus. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15 et 16. Verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il est venu sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Ça, vous voyez, ce brigand sur la croix, il était le premier des pécheurs, le champion des pécheurs, le champion des pécheurs, et le plus terrible, le plus violent de tous les pécheurs. Et le Seigneur l'a sauvé. Le salut est disponible pour toi. Le paradis est disponible pour toi. Voyons maintenant Jean. Jean au chapitre 19. Hein, Jean. Chapitre 19. Et nous allons maintenant voir le verset 27. Jean 19, lisons le verset 27. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Vous voyez, quand Jésus-Christ était sur la terre, à plusieurs reprises, quand il prêchait, la mère venait, un frère venait, et ils vont dire, « Oh, ta mère te demande. » Il était au milieu du ministère. Il dira, « qui est ma mère? Voici ma mère. Ceux qui sont, écoutent la parole de Dieu, et mes frères et sœurs, et qui gardent la parole de Dieu. » Non seulement cela, au moment des noces de Cana, il a dit, « Ils n'ont pas de vin. La mère, il n'y a pas de vin. » Il dit, « Mais il a mis des femmes, qu'a-t-il entre toi et moi ?» Parce que son heure n'était pas encore venue. Et maintenant, la mère a dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et le miracle a eu lieu. Et le miracle viendra dans ta vie maintenant. Alors, il était maintenant suspendu sur la croix. Et comme il était sur la croix, il n'a jamais oublié de prendre soin de sa mère. Il n'oublie pas aujourd'hui. Il était vraiment dans la douleur profonde. Il dit, j'ai soif. La douleur était intense. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Et le sang coulait, le sang giclait. Et il était affaibli. Et même dans cet état de souffrance, il s'est souvenu de prendre soin de sa mère. Maintenant, il ne souffre plus. Il est à la droite de la majesté en haut. Il va se souvenir de prendre soin de toi. J'ai dit, il va se rappeler de prendre soin de toi. Et on nous dit, et dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Et il a commencé à prendre soin de la mère de Jésus-Christ. Il a pris soin de la mère, même en ce moment-là. Matthieu au chapitre 27. Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, lisons le verset 46. Matthieu 27, 46. Et les paroles de Jésus-Christ lui-même sur la croix. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»« mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'a jamais été comme ça. De toute l'éternité, nous avons toujours été ensemble. Moi et mon Père, nous sommes un. Mais parce qu'il portait tes péchés et ton fardeau et ta punition sur la croix du calvaire, Dieu le Père l'a abandonné. Il a senti la douleur. Il a senti la séparation. Il a senti l'agonie. Et il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyons la réponse. En Ésaïe 53, verset Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Vous comprenez que tout est péché, que tu aurais dû endurer les péchés pour lesquels qui devaient te conduire en enfer.
Le Seigneur a tout porté et t'a tout arraché pour qu'il n'y ait aucun iota, qu'il n'y ait aucune tache et qu'il n'y ait aucun symbole, aucune ombre de taille de péché dans ta vie. Il a tout porté et t'a tout arraché et il a porté sur Christ. Maintenant tu es libre et parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et tu devrais mourir. Mais il a porté les péchés de ta vie. Il les a portés sur Christ. C'est pourquoi. Et mon Dieu, pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il portait les péchés de tout le monde en ce moment. Il portait tes péchés. Voyez ce verset encore. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Parce qu'il a porté tes péchés, tu ne les porteras plus. En Jean 19, nous lisons maintenant le verset 28. Jean 19, verset 28. Jean, chapitre 19, verset 28. Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. Il avait soif. Quand il avait dit j'ai soif, qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous maintenant, si le péché meurt sans le salut, si un homme meurt sans le salut, si une femme meurt sans le salut, il va dans l'étang de feu. Et quand il arrive là-bas, il aura très soif. Et la soif sera si intense si qu'elle va le tourmenter. Voyez Luc au chapitre 16. En Luc chapitre 16, voyons le verset 22. Luc 16, verset 22. On dit Luc 16, 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare. » C'est quoi? Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Oui, tous ceux qui vont en enfer, ils ont soif. Et la soif que tu devrais endurer pour toute l'éternité, parce que à cause de tes iniquités qui sont retombées sur Jésus-Christ, la soif d'eau, la soif que tu aurais dû expérimenter en enfer, cette soif est retombée sur Jésus-Christ. Et c'était si intense, si sérieuse, qu'il a dit, j'ai soif. Oh Dieu merci, il n'y aura plus d'enfer pour toi. Dieu merci, plus de tourment pour toi encore. Dieu merci, toute la soif de l'enfer que tu devrais expérimenter, Jésus a tout expérimenté pour toi. Et tu n'auras plus cela au nom de Jésus. Tu as su la voie du ciel. Et au ciel, il n'y a pas de soif. Il n'y a pas de soif. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Et il a ôté cela de toi au nom de Jésus. En Jean 19, lisons le verset 30. Jean 19, lisons le verset 30. Jean 19, verset 30. Verset 30, il dit, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Dites-moi, tout est accompli. Répétez-le encore. Tout est accompli au nom de Jésus. Luc 23. Lisons ici le verset 46. Luc 23, 46. Verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. C'était le dernier propos, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Déjà, il avait dit, Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il avait déjà déclaré
aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il, pour le salut de ce brigand, déjà il avait dit à son disciple, voici ta mère. Et il a pris soin de la mère. Il avait déjà déclaré, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous réalisons que ce sont nos péchés qui ont fait qu'il a été abandonné. Ensuite, il avait dit, j'ai soif. Toute la soif que nous aurons dû expérimenter en enfer, il a tout porté sur lui-même. Et maintenant, il a déclaré, tout est accompli. Et parce qu'il a accompli l'œuvre de la rédemption, il a achevé la provision du salut. Tout est maintenant totalement finalisé. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Psaume 31, verset 5. Verset 6, Louis II. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, l'éternel Dieu de vérité. Alors, il nous fait comprendre, comme rédempteur, comme il a dit, ainsi nous aussi qui sommes rachetés de l'éternel, nous qui sommes sauvés par sa grâce, et nous qui avons goûté à cette vie éternelle, il a goûté à la mort pour nous, il a goûté à la soif pour nous, il a goûté à la punition pour nous. Et maintenant, il s'est remis au Seigneur. Maintenant, entre maintenant et les portes de l'éternité, nous espérons que nous devons ici nous remettre entre les mains de Dieu également. Et nous savons, comme Jésus-Christ a achevé sa course de façon triomphante sur la terre, toi aussi, par la grâce de Dieu, tu vas finir ta course avec triomphe aussi, ici sur la terre au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, combattre avec l'arme de sa croix. Combattre avec l'arme de sa croix. Le diable essaie de combattre contre nous, mais par la croix, nous allons vaincre. La chair va essayer de combattre contre nous, mais c'est la croix qui nous donnera la victoire. Maintenant, le monde aussi, avec toutes les pollutions et les souillures du monde, il va essayer de nous combattre, mais par la croix, nous allons avoir la victoire au nom de Jésus. Tous ces démons vont essayer de combattre contre ta vie, parce que nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances des ténèbres, des esprits méchants dans le céleste. C'est par la croix que nous allons avoir la victoire. Et tu auras la victoire au nom de Jésus. Vous voyez, quand vous croyez à cette croix où Jésus est mort, la victoire vous attend à tous les coins et recoins au nom de Jésus. En Galates chapitre 6, lisons le verset 14. Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix, que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le monde et moi, nous n'avons rien de commun. Ils m'ont rejeté, je les ai rejetés également. Parce que le Seigneur dit, je t'ai choisi du milieu du monde. Et le monde ne me sait pas de me plaire parce qu'il est crucifié pour moi. Je ne sais pas aussi de plaire au monde non plus. Parce que je suis crucifié au monde. Et parce que c'est par la croix de Jésus-Christ qui nous donne la victoire sur le monde. Voyons Éphésiens au chapitre 2, 16. En Éphésiens chapitre 2, lisons ici le verset 16. On nous dit ici, « Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » L'inimitié du monde a été mis, a été détruit, paralysé par la croix du Seigneur Jésus-Christ. Le monde peut renfrogner. Nous avons déjà remporté cette victoire sur le monde. Le monde peut s'opposer. Nous avons vaincu l'opposition de ce monde par la croix. Le monde peut essayer de persécuter. Nous avons vaincu ce monde qui persécute par la croix du calvaire. C'est cette croix qui nous donne la victoire. Et tu auras la victoire au nom de Jésus. En Philippiens chapitre 3, lisons le verset 17. Philippiens chapitre 3, lisons ici le verset 17. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il y en a plusieurs
qui marche en ennemi de la croix, en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. Eux, ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous voyez, toutes ces choses vont essayer de venir contre ta vie. Le besoin, les désirs, les exigences du ventre. Les besoins, les désirs et les exigences du corps. Et il dit, nous avons vaincu cela. Même les choses honteuses qu'ils font vont essayer de frapper à ta porte. Mais il dit que nous avons vaincu par la croix de Christ. Les ennemis de la croix vont essayer de s'opposer à ta vie. Mais tu vas les vaincre par cette même croix du Seigneur Jésus-Christ. En Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Voyons le verset 4. Galates 1 verset 4. Verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher, de nous délivrer du siècle, du présent siècle mauvais. Comment est-ce qu'il nous délivre par la croix? Et pour que vous puissiez garder cette délivrance du présent siècle mauvais, vous gardez votre foi en la croix. Vous vous attachez à la croix. Vous contemplez la croix. Et vous regardez à Jésus-Christ qui est mort pour vous sur la croix. Aidez. Qui nous délivre, qui nous arrache du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Philippiens 2:5. En Philippiens chapitre 2 verset 5 dit... Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il est mort sur la croix du calvaire. Alors, ayez en vous ces sentiments. Il s'est humilié. Ayez en vous ces sentiments. Il a souffert pour nous sur la croix du calvaire. Ayez en vous ces sentiments. Verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Ayez en vous ces sentiments, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Ayez en vous ces sentiments, même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Vous devez mourir au désir du monde. C'est comme si vous êtes mort. Et cela n'a plus d'emprise, d'attraction pour vous. C'est comme quelqu'un qui éteint sous là. Et quand il est vraiment mort, toutes les bouteilles d'alcool, de bière n'auront plus d'intérêt pour lui. C'est comme un homme qui était un fumeur. Il fume ceci, il fume cela. Il fume tout ce qu'il trouve. Tout ce qu'il trouve. Maintenant, quand il est mort, toutes ces cigarettes et toutes ces choses n'auront pas d'emprise, d'attraction pour lui. C'est comme quelqu'un qui aimait la vie sociale. Il est dans les soirées de nuit à gauche et à droite. Maintenant, quand il meurt, toutes ces choses n'auront plus d'intérêt, d'emprise pour lui. Meurt au monde. Meurt à la chair. Meurt à toutes ces choses, attraction, des distractions du monde. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Parce que tu permets à ces pensées, sentiments qui étaient en toi. Et tu dois mourir à tout cela. C'est une grande arme dans la main du croyant. Le croyant crucifié. Et tu auras la victoire au nom de Jésus. Voyons 2 Corinthiens au chapitre 10, 4 et 5. En 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 et 5. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. La chair n'est pas charnelle. La croix de Christ n'est pas charnelle. Le calvaire n'est pas charnel. Tout ce qu'il a fait pour nous sur la croix du calvaire n'est pas charnel, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La croix de Jésus-Christ va renverser toutes les forteresses de ta vie au nom de Jésus. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est la croix de Christ qui nous accorde cette victoire. Nous avons la victoire au nom de Jésus. En Romains, au chapitre 12, les versets 1 et 2. Romains, chapitre 12, le verset 1 et 2. Romains 12, voyons le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères,
à cause de la mort de Christ, je vous exhorte donc, à cause de sa souffrance pour toi sur la croix, je vous exhorte donc, frère, à cause de la puissance dans la croix de Christ, je vous exhorte donc, frère, à cause de toutes les iniquités que vous avez, qui ont été portées sur Christ, je vous exhorte donc, frère, à cause de toute la punition que Jésus-Christ a portée, les douleurs que Jésus-Christ a apportées, le tourment éternel que Jésus-Christ a porté, à cause, parce qu'il a même porté la colère de Dieu en ta faveur, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir les compassions qui ont transféré le péché de ta vie vers Jésus-Christ, son Fils unique, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce que je peux offrir au Seigneur pour le grand salut qu'il m'a accordé? Il dit, vous devez apporter votre corps, votre âme, oui, votre cœur, oui, votre esprit, votre corps également, et tout ce que vous possédez. Maintenant, vous devez venir tout abandonner au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est un sacrifice saint. Et c'est un sacrifice agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est le monde qui a crucifié ton Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est le monde qui a ridiculisé ton Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le monde qui ne veut pas que tu sois sauvé. Il dit, descends de la croix, nous allons croire en toi. Ça, c'est le monde. C'est le monde qui a blasphémé le Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Premier point, se nourrir de ses paroles sur la croix. Se nourrir de ses paroles sur la croix. Deuxième point, combattre avec l'arme de sa croix. Maintenant, troisième point, suivre la voie de la croix. Suivre la voie de la croix. Suivre la voie de la croix. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Le Seigneur maintenant nous dit que nous devons suivre la voie. La voie de la croix. Ce que la parole de Dieu a à dire concernant suivre la voie de la croix. La croix de Christ. Je vous l'ai lu avant. Je crois qu'il faut encore le lire en Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Lisons à partir du verset 3 maintenant. Philippiens 2 à partir du verset 3. Maintenant que Jésus-Christ est mort pour vous, il est mort pour moi et pour nous sur la croix du calvaire. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Toujours regardez à la croix. Regardez toujours à la croix. Quelqu'un vous a offensé. Quelqu'un vous a fait du mal. Et maintenant, vous voulez avoir une réaction particulière, vous voulez avoir une réplique, regardez à la croix, et regardez ce que Jésus-Christ a fait pour vous, sur la croix, et dites, s'il a porté ça pour moi, je n'ai rien payé pour cela, moi aussi je peux supporter autre chose, et ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, si Jésus-Christ, tu considérais ses propres intérêts, son plaisir, son bonheur, sa joie, et sa vie et tout, il ne serait pas mort pour toi, pour moi sur la croix du calvaire. Il s'est oublié lui-même. Il s'est livré lui-même. Il s'est soumis lui-même. Nous devons faire la même chose. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comme nous parcourons la vie, nous venons de la croix du calvaire. Nous avons vu Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix. Et maintenant, l'image est encore là et très, très vraiment pesant sur notre esprit. Nous voyons le sang qui gicle. Nous voyons la couronne d'épines sur sa tête. Nous voyons le voyant criant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et au milieu de tout cela, Père, pardonne-les. Et si le Seigneur nous a pardonné toutes les atrocités que nous avons commises, qu'en sera-t-il de pardonner les autres, pardonner les membres de l'Église qui t'ont offensé, et pardonner également les membres de nos familles qui nous ont offensés, pardonner également certaines personnes dans nos services qui nous ont offensés, et ne tenons pas à quelque chose pour dire, jusqu'à la mort, je ne veux pas permettre à ces choses de passer, je dois aussi avoir ma réplique. Non, ne fais pas ça. Ayez toujours la croix devant vous.
et que chacun ne considère pas ses propres intérêts, mais considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié et il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Je ne pense même pas que tu peux me t'humilier jusqu'au point où tu vas mourir. Peut-être que tu es obéissant et tu renonces à toi-même pour un peu de plaisir, ce que tu aimes, ce que tu veux, et tu pardonnes. Même si la personne t'a foulé au pied, t'a piétiné, tu n'es pas mort. Tu t'humilies toujours. C'est ce que le Seigneur dit. C'est ce que la croix devrait faire dans nos vies. Ça, c'est suivre la voie de la croix. Voyons, Matthieu chapitre 16, verset 24. Suivre la voie de la croix. En Matthieu chapitre 16, lisons ici le verset 24. 16, 24 de Matthieu. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le Seigneur dit, je vais à la croix. Il n'était pas encore mort. Il était sur la voie de Jérusalem. Il était sur la voie de la croix. Il a dit, je vais à la croix. Et ça, c'est la destination finale. C'est là où je vais payer le prix de la rédemption, du salut, de la rémission de tous les hommes. Et si vous voulez me suivre, suivez-moi. Nous allons ensemble à la croix. Et il dit, alors vous devez renoncer à vous-même. Ça veut dire quoi renoncer à soi-même? Quand tu te renonces, tu dis non. Quand tu renonces, tu dis non. Pierre, tu dois faire partie de là, dis non. Je ne le connais pas. Ça, c'est renoncer, nier ça. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire que tu dois te renoncer à toi. Quelqu'un t'a offensé, le moi au-dedans va vouloir dire, réplique-lui ça. Ne permet pas à cela de passer. Il veut te traiter en insensé. Il veut te piétiner. Retourne-lui ça. Cette insulte-là, redonne-lui l'insulte. Et lance-lui ça. Tu dis non. Au moins. La tentation de se fâcher. La tentation de te battre. La tentation de te défendre. Parce qu'ils ont menti sur ton compte. Quelque chose que tu n'as jamais connu. Quelqu'un est en train de suggérer que c'est ce que toi tu as fait. Tu dis, moi, d'accord, je vais régler ton cas. Je n'ai jamais fait ça. Le moi va dire, voici ce qu'il faut faire. Tu dois dire non au moi. Maintenant, tu es né de nouveau, tu buvais avant. Et le moi va dire, vas-tu rester comme ça? Tu ne veux plus, tu veux boire seulement de l'eau, tu veux rester, bu seulement de jus de fruits. Quand est-ce que je vais avoir ce que j'avais avant? Tu vas dire non. Tu dois dire non au moi. Ça, c'est renoncer au moi. Si tu fumais, tu fumais marijuana, tu fumais l'ordinaire, tu fumais le dur, quel que soit ce qui venait de la forêt ou des herbes, comme maintenant que tu es né de nouveau, le moi va dire, qu'est-ce que nous faisons? Cette période de retrait, premier jour, vendredi, samedi, dimanche, la chose n'est pas entrée, la fumée n'est pas sortie de la bouche. Maintenant, on a fini la retraite, hein. Et la chose, donne-moi la chose, je veux voir ça encore. Tu dis non au moi, à la chair. Parce que ça, c'est renoncer à soi-même. Vous voyez des gens qui sont autour de vous dans votre famille. Ils peuvent vouloir que tu adores les idoles familiales. Fais ceci ou fais cela. Tu dois dire non au moi. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, s'il veut être mon disciple, il doit renoncer à lui-même. Et on dit ensuite qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire quoi? Lorsque tu dis non au moi, le moi va te rendre un peu la vie inconfortable, la vie un peu difficile. Ça, c'est la croix. Parce que la croix détruit le bonheur. La croix détruit la jouissance. La croix détruit... Tu n'as pas l'envie de sauter, d'être excité, de courir et de rire. Parce que la croix annule le sourire pendant un moment.
et tu vas prendre cette croix-là. Certaines personnes disent, je ne sais pas si je vais tenir pour ça là, hein, parce que vraiment, ça m'arrache ma joie, hein, ça prend mon sourire, ça prend mon bonheur, ça prend mon bonheur. Ça, c'est la croix même, ça. Et chaque fois que tu renonces au moi, tu dis non au moi, la conséquence sera, il y aura une partie de toi qui ne va pas aimer cela. Tu vois, ah, ça, c'est inconfortable. Reste là. Et sois sur la croix là-bas. Et le Seigneur va donnera la victoire au nom de Jésus. Donne-moi un grand main là-bas. Et qu'ils me suivent. Marc, chapitre 8. Marc, au chapitre 8. Lisons ici le verset 34. Marc, chapitre 8, verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez jamais dit non à vous-même? Je comprends, dis non au diable. Hein. Je comprends, dis non à tes ennemis. Je comprends cela. Je comprends aussi quand tu dis non aux incroyants. Venez faire ce non. Je suis enfant de Dieu. Je comprends, dis non aux incroyants. Mais toi-même, à ton moi, tu aimes toi-même, tu t'aimes tellement que tu te gâtes toi-même, tu prends soin de toi-même, et tout ce que le moi veut, c'est moi, 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 c'est moi. Je ne peux pas me priver de ça. Non, tu dois. Si tu veux suivre le Seigneur, il doit avoir quelque chose dans ta vie auquel tu dois pouvoir dire non. Moi, tais-toi. Tu ne vas pas avoir ça maintenant. Moi, tais-toi. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau jour. Ça, c'est l'ancienne vie. Tu n'auras plus ça. Moi, tais-toi. Ne me dérange pas. Je fais quelque chose d'important. Moi, ne reviens plus avec cette pensée en moi. J'ai dit non. Vous savez, parfois, si vous avez peut-être un chat ou un chien, et ce chien vient, et vous êtes occupé, tu dis, vas-y. Et le chien, le petit chien revient encore. Il est en train de balancer la tête. J'ai dit non, vas-y, non. Et le chien est en train de balancer la queue, voulant encore sauter sur ta queue. J'ai dit non, vas-y. Et qu'est-ce que le chien va faire? Il va partir. Parce que tu es ferme. C'est la même chose avec le moi. Le moi, la chose dont je t'ai parlé, donne-moi ça, non. Le moi va dire, l'endroit qu'on voulait aller, là, allons, non. Le moi va dire, la chose que je voulais jouer là. J'ai dit non. Ah, tu as dit non, je sais. Et est-ce que ça va maintenant? Est-ce que tu es libre maintenant? Est-ce que tu es moins occupé? Est-ce qu'on peut faire ça maintenant? J'ai dit non. Et quand tu non comme ça, le moi va se taire au nom de Jésus. Donnez-moi un grand main si vous êtes encore là. Et qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Si tu continues à entretenir la chair, à gâter le moi, à suivre le chemin de du moi, toute suggestion que le moi donne, fait les désirs du moi, et tu satisfais toujours, que te servira-t-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? C'est pourquoi nous continuons à dire non au moi. Ce moi n'a pas nous vaincre au nom de Jésus. En Luc chapitre 9, 23. Luc chapitre 9, lisons le verset 23. Luc 9, verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. Puis dit à tous, pas à certains, mais il dit à tous. Si quelqu'un dit aux enfants qui sont nés de nouveau, il leur dit à tous. Il dit aux élèves, aux jeunes qui sont nés de nouveau, il le dit à tous. Il le dit aux membres de l'église qui sont nés de nouveau, hommes et femmes, puis il dit à tous. Il le dit aux pasteurs, il le dit aux leaders. Parfois, nous devons éviter le danger. Plus nous montons, plus nous refroidissons. Plus nous montons, plus nous devenons oisifs. Plus nous montons, plus nous sommes insouciants.
Et nous pensons que ce n'est plus pour les pasteurs, ce n'est plus pour les responsables. Le diable aussi court après les responsables, aux dirigeants, après les dirigeants. Le diable va vouloir que les dirigeants réagissent de telle manière, réagissent de telle manière. Tu peux parler comme ça aussi, non? Il y a des gens qui peuvent parler aussi comme ça aux membres, ils peuvent parler comme ça aux jeunes, aux responsables. Nous sommes là il y a longtemps, hein? Mon frère, ma soeur. Même pour ceux d'entre nous qui semblons être de grands ministres des anciens, le renoncement de soi est là. Nous devons également dire non à notre moi. Ça dit, je ne dis pas que je vais dire non à toi et tu vas me dire non. Hein. Je dis à moi-même. Je dois dire non à moi-même. Et une idée va venir dans mon esprit. Je dois dire non, tais-toi. Quelle idée ça? Une pensée va venir dans toi. Je dis, dis-toi, tais-toi. Même si tu es GS ou tu es responsable national ou pasteur, ou tu dois toujours dire non à toi-même. Il leur dit à tous, verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il se charge comment? Chaque jour. Devenir missionnaire, c'est parfois pour comporter une croix. Tu vas au milieu des gens que tu n'as jamais connus. Ça, c'est comme une croix. Tu écoutes certaines personnes, tu ne comprends même pas leur langue. C'est comme une croix. Tu quittes le territoire familier, ton pays, et tu vas dans un autre endroit où ils sont tous des étrangers. Tu ne sais même pas à qui parler. Tu ne comprends même pas leur langue. Ça, c'est une croix. Ils disent, nous devons porter la croix chaque jour. Mais vous savez, quand nous devenons si complaisants et nous voulons être à l'aise, nous nous disons, mon maître, voilà, je me suis établi maintenant. Et parce que je me suis établi, installé maintenant, l'appel de Dieu dit, voici ce qu'il faut faire. Et le moi va dire, est-ce que moi j'entends ça encore? Qu'on me déracine? Est-ce que j'entends ça encore? Qu'on m'affecte? Est-ce que j'entends ça encore? Pour qu'on me déplace de ce lieu-là vers un autre endroit? Ah, est-ce que cet homme-là ne sait pas que c'est inconfortable pour la chair? Est-ce que ce monsieur-là ne sait pas que plus on vieillit, plus on aime être installé, le corps, la pensée est installée, et déjà on est attaché, collé, marié au familier, et maintenant on va encore aller vers le territoire inconnu, c'est la croix, c'est la croix. Il dit, vous devez renoncer à vous-même et porter chaque jour votre croix, et qu'il me suive. Et les bénédictions de suivre le Seigneur seront sur vous au nom de Jésus. Vous voyez, cette croix de Jésus-Christ, nous ne la laissons pas tomber. Parce que si nous la laissons tomber, ce sera notre ruine. Vous ne serez pas ruinés au nom de Jésus. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. 1 Pierre, chapitre 2, à part du verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés. Vous savez, certaines personnes, je suis appelé à être évangéliste. Oui, attends un instant, attends un instant. Je suis appelé pour être missionnaire, attends un instant. Je suis appelé pour être quelqu'un qui fait des miracles, attends, attends. Il y a un appel que beaucoup ne regardent pas. C'est à cela que vous avez été appelé. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple de souffrance afin que vous suiviez ses traces. Et cet appel-là. Oh, appel pour sauter, avoir des croisades, commander que telle soit guérie. Oh, l'appel pour être à la popularité. L'appel à être un évangéliste international. Et maintenant, cet appel ici, que c'est à cela que vous avez été appelé. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Il a été injurié, mais n'a pas rendu d'injure. Il avait été insulté, n'a pas insulté. Il a été maltraité, mais il ne l'a pas fait. Est-ce que tu as l'habitude que tu répliques toujours? Il y a certaines personnes dans notre pays, ils ont popularisé retour à l'envoyeur. Ça ne vient pas de Christ. Ça ne revient pas de Christ. Il y a des gens aujourd'hui, si par erreur vous les offensez, on n'avait pas envie de t'offenser, mais on n'avait pas pensé, mais on ne savait pas que ça va t'affecter. Et par erreur, on a piétiné sur tes orteils. Ah, tu m'as fait ça, je vais aussi piétiner sur ta tête. Tu as piétiné sur mes orteils, moi je vais piétiner sur ta tête. Retour à l'envoyeur, dit-on. Ça, ce n'est pas correct. Le Seigneur ne nous a pas enseigné ça. Nous n'allons pas suivre la voie de la réplique, de la vengeance. Il dit ici,
lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais n'a pas menacé. Quand il a souffert, il n'a pas menacé. Certaines personnes ont oublié que nous travaillons pour Dieu. Ils ont oublié que c'est l'affaire du Père. Et si par erreur, nous disons quelque chose qu'on ne devrait pas dire, et même en privé, ou même par erreur, ou pas publiquement, il dit d'accord, je ne vais plus travailler dans l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Christ t'a offensé? Est-ce que le Père t'a offensé? Est-ce que le Saint-Esprit t'a offensé? Et les âmes qui doivent être sauvées à travers toi, est-ce qu'elles t'ont offensé à cause de cet homme qui, par erreur, a dit quelque chose qu'il ne devrait pas dire? Ah, je ne vais plus travailler pour Dieu encore. Comment est-ce que tu peux dire cela? Pourquoi ne pouvons-nous pas supporter à cause de cela que nous devons conduire au salut? Quand il a souffert, il n'a pas menacé. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrisures duquel, dites-moi la suite, duquel vous avez été guéri, vous êtes guéri au nom de Jésus. La voie de la croix, et nous devons aller à la maison par la voie de la croix. Il n'y a pas d'autre voie que celle-ci. Je ne vais jamais perdre de vue la vue des postes célestes. Je dois continuer par la voie du Seigneur, sur le sentier que mon Sauveur a suivi. Si je gravis les hauteurs sublimes où l'âme sera à la maison chez le Père, alors je dis au revoir à la croix du monde. Marche sur la voie. Quand mon Seigneur dit « Viens », et je cherche la demeure céleste où il m'attend pour m'ouvrir la porte. La voie de la croix mène au ciel. La voie de la croix mène au ciel. Il est bon de savoir, comme je marche de l'avant, que la voie de la croix mène au ciel. Levons-nous et parlons, Seigneur, dans la prière. La voie de la croix nous conduira à la maison. Et tu arriveras là-bas au nom de Jésus. Tu ne vas pas arrêter ton voyage à mi-chemin. On peut t'offenser, pardonne, continue ton chemin, continue, par erreur, on peut-être même délibérément, ou peut-être de façon insensée, dis quelque chose contre toi. Oh, toi, enfant précieux de Dieu, saint précieux de Dieu, tu ne sais pas de quoi il parle, dis Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La voie de la croix mène au ciel, porte la croix, porte la croix, porte la croix, et dis au Seigneur, ouvre ta bouche et prie maintenant, ouvre la bouche et prie. Rappelle-toi ce qu'il a dit sur la croix du calvaire. Souviens-toi de toutes ces paroles qu'il a prononcées. Ces paroles t'ont donné le salut. Ces paroles t'ont donné la rédemption. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tel qu'il l'a fait. Tel qu'il l'a fait. Et suis l'exemple du Seigneur. Il a dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Comme ce grand réveil continue, tu ne vas pas avoir d'amertume dans ton esprit, tu ne dois pas avoir l'esprit de non-pardon dans ton cœur, tel a dit, tel a fait, tel a agi, oublie tout cela. Et toi tu peux dire, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas comment ça fait mal, ils ne savent pas combien de fois j'ai ressenti ça, ils ne savent pas comment cela m'a vraiment fait mal. Mais Seigneur, ils ne comprennent pas, pardonne-le, pardonne tous ceux-là qui m'ont offensé, pardonne, ça c'est la voie de la croix. Plaide avec le Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton royaume, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Écoute-le dire. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Rejette tous tes soucis sur lui, car il prend soin, il a pris soin de sa mère, même quand il était sur la croix. Maintenant qu'il est au trône, sur le trône du Père Céleste, il prend soin de toi, il prend soin de toi, il prend soin de toi. Ne sois pas découragé, il prend soin de toi, il se soucie de toi. Souviens-toi, il a été abandonné à cause de « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a porté toutes tes iniquités, tous tes péchés, tous tes maux. Il les a portés sur Christ. Et tu ne les porteras plus jamais. Parce que Christ a tout pris, a tout porté pour toi. Il a pris tes péchés et t'a donné sa justice.
Souviens-toi, elle a dit, j'ai soif. Tu n'iras plus en enfer parce que Christ a souffert la soif pour toi. Tu ne porteras plus la colère éternelle parce qu'il a porté la soif pour toi. Il dit, j'ai soif. Tout est accompli. La punition est partie. La perdition est ôtée. Ce fardeau pesant est ôté. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Père, Père, je remets mon esprit. Je remets mon esprit entre tes mains. Combat le monde avec la croix. Combat la chair avec la croix. Combat les démons avec la croix. Combat Satan avec la croix. C'est la croix de Jésus-Christ. Une âme puissante dans la main du peuple de Dieu. Suis la voie de la croix. La voie de la croix mène au ciel. La voie de la croix mène au ciel. Oh, il est bon de savoir que je marche de l'avant, que la voie de la croix mène au ciel. Et il te donnera la victoire. La victoire est déjà pour toi. Il te donnera la victoire. La puissance est déjà pour toi. Il te donnera la victoire. Son onction demeure. Il va te donner la victoire. Tu iras de victoire en victoire par la voie de la croix. La voie de la croix mène au ciel. Au nom de Jésus, nous prions. Peuple de Dieu, je dis au nom de Jésus, nous prions. Nous remercions Dieu pour la croix de Jésus-Christ. J'ai dit, nous rendons grâce à Dieu pour la croix de Jésus-Christ. Combien rendent grâce à Dieu pour la croix? Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Gloire à Dieu! Oui, sur la croix là-bas, il a tout porté de Satan. Il a tout ôté de toi. Il a déjà bu la coupe amère. Tu ne boiras plus la coupe amère au nom de Jésus. Vous savez, quand vous retournez, vous allez voir la victoire que vous n'avez jamais vue. La puissance que vous n'avez jamais vue. Et l'autorité que vous n'avez jamais vue. Vous savez, ce qui t'offensait facilement, ce qui te mettait en colère, oh, toutes ces choses sont sous tes pieds maintenant. Ah, j'espérais, oh, une croix lourde. Hein. Ah, c'est ce qui, ça, ce n'est pas la croix. Hein. Tu dis gloire à Dieu. Oh, ils ont déjà ôté ça et tu continues le chemin. Je vois une armée puissante qui sort de ce lieu et qui retourne dans le monde. Et je te vois avec les chaussures de fer, les chaussures d'airain. Et comme tu marches sur le diable, tu marches sur Satan, tu marches sur la maladie, tu marches victorieusement. Oh, je dis, tu marches victorieusement. Et partout tu iras maintenant, toute puissance des ténèbres va quitter le chemin pour toi au nom de Jésus. Retourne et fais fuir tes ennemis. Parce que tous ces gens-là qui t'ont arraché quelque chose, Dieu va multiplier tout ce qu'ils ont pris et tu vas nourrir tes ennemis au nom de Jésus. Je vais voir vos mains où être là-bas. Oh, je vais voir ces mains où être encore. Au Père, au nom de Jésus. Nous te remercions en ce moment parce que tu nous as amenés à la hauteur de la victoire. Nous n'allons plus redescendre de cette hauteur au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous les frères, toutes les sœurs, toutes nos filles, tous nos fils, tous nos enfants, partout. Je prie que le monde n'ait plus d'autorité, de puissance sur eux au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, Satan, les mauvais esprits, les démons n'auront plus d'autorité sur vous au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, l'amertume dans le monde, le non-pardon dans le monde, n'auront plus de place dans le cœur de vos cœurs, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que Jésus occupe vos cœurs, que son nom occupe vos cœurs, que sa gloire occupe vos cœurs. Et ensuite, quand vous quittez ici et que vous retournez à la maison, nous sommes comme une armée puissante. Partout où vous irez, vous allez prévaloir au nom de Jésus. L'âme puissante de la croix dans votre vie va conquérir tous les ennemis, va conquérir tous les démons, va conquérir toutes les maladies, va conquérir tous les mauvais esprits au nom de Jésus. Toutes ces choses, situations négatives, circonstances négatives de votre vie, avant que vous ne venez, elles sont révoquées maintenant. Et quand vous suivez la voie du Seigneur, la voie de la croix qui conduit au ciel, vous irez au ciel finalement. Vous quitterez aussi
et sans aucun problème dans votre vie au nom de Jésus. Et au dernier jour, quand les saints marcheront au ciel, quand les saints marcheront au ciel, où es-tu? Pourquoi ne pas marcher pour que vous voyez? Marche comme un saint qui va au ciel. Marche. Quand les saints marcheront au ciel, tu seras parmi eux au nom de Jésus. Et pendant que nous sommes maintenant dans ce monde, et comme je vais là-bas, comme tu quittes ici pour là-bas, comme tu quittes ici pour aller au bureau, quittes ici pour aller au marché, tu quittes ici pour aller au champ, tu quittes ici pour aller à l'école, tu quittes ici pour aller au campus, tu marcheras dans la victoire, tu marcheras dans l'autorité. Tu es la puissance du Seigneur, ne va pas faillir dans ta vie au nom de Jésus. Aucune maladie ne va te vaincre, aucune puissance maléfique ne va te vaincre. Aucune blessure du monde, aucune offense du monde, aucun ennemi du monde ne pourra saisir ton cœur avec amertume au nom de Jésus. Toutes les iniquités que Jésus a ôtées de ta vie ne reviendront plus. Toutes les condamnations que le Seigneur a ôtées de ta vie ne reviendront plus. Toutes les punitions que Dieu a ôtées de ta vie ne reviendront plus. Mais la joie du Seigneur, la célébration du nom du Seigneur et la victoire dans ton âme, tu vas marcher de victoire chaque jour au nom de Jésus. Je vous libère maintenant pour la puissance du Seigneur. Je vous libère dans votre victoire. Je vous libère dans votre voyage. Et je vous libère pour la joie. Je vous libère pour la victoire. Et je vous libère pour l'accomplissement de toutes les bonnes choses dans votre vie au nom de Jésus. Surplus, abondance, la joie, la victoire, le triomphe, l'autorité, l'onction, la puissance vont vous accompagner au nom de Jésus. Cette onction dans vos mains ne va jamais se dessécher. Impose-les aux malades et ils seront guéris au nom de Jésus. Tout ce que vous allez faire avec ces mains ou un temps va prospérer. Retournez à la maison et allez prospérer. Seigneur, confirme-le dans chaque vie au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions.